Merci, merci, merci. Eh les gars, on est 1 million sur ma chaîne. C'est de la D, c'est une dinguerie. Eh, vous savez que je réalise toujours pas, j'y crois même pas, gars. Du coup, je m'excuse vraiment pour mon absence pour la rentrée. J'espère que votre rentrée d'ailleurs s'est bien passée. Et je voulais vous dire, comme j'ai dépassé la barre des millions sur YouTube, TikTok, anciennement appelé Musical.ly, hein, c'est la même chose, ils m'ont contacté pour que je relève leur challenge. Moi, j'ai dit oui direct. Genre, c'est grâce à vous, j'ai eu 1 million. J'ai pas relevé le défi. Moi, j'ai dit, c'est obligé, hein. Faut que je vous fasse honneur. TikTok m'a contacté pour relever un challenge. C'est le You Did Not Wear This, à l'anglais. En gros, le Musical.ly, il est en rapport avec la Fashion Week, étant donné que c'est à la rentrée. Et je devais faire un Musical.ly, mais super original. Attention comment il est original. La musique elle me tue. Je vous ai dit, je gère sur le Musical.ly, je suis un boss. Oui, je fais un Musical.ly pour Fadel, t'inquiète, succès. D'ailleurs, par rapport au challenge, il y a 3 youtubeuses qui ont réagi à mon Musical.ly. Oh là 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 là. Donc pour commencer, on va voir la réaction de Romy. Oh là là, comment c'est grave gênant. Oh, elle est choquée. Pourquoi j'ai mis comme ça, lui? C'est pas grave, ça se passe comment? Oh là, mais c'est vrai, c'est gênant, c'est gênant. C'est quoi ce délire? On dirait ça, moi, je suis sur TikTok et je pète un câble. Pareil. Ah, je suis une die. Bon, ça va, elle m'a pas terminé. Moi, c'est la réaction d'Yanissa que j'appréhende. 0-0-0, c'est quoi cette robe là? Ah ouais, elle est... Oh, non, 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 mais qu'est-ce qu'il fait là? Et comment elle est sans pitié. Vas-y. Jusqu'à pris l'appareil photo. Elle taille, hein. Maintenant, on va voir la réaction de Gloria. Non, non. Allez, ah, la gamine. Allez, plus de ah, ouais, c'est chaud. Et vous en avez pensé quoi de ce Musical.ly? Dites-le moi en commentaire. Bon, merci en tout cas pour vos réactions les filles. Et bien sûr, je vous invite aussi à relever le défi, hein. C'est pas parce que je l'ai relevé, vous pouvez pas le relever. Vous aussi, vous allez le faire. Je vous mets le hashtag juste ici, vous mettez ça sous votre TikTok. C'est en rapport avec la Fashion Week, donc faut que vous mettez des vêtements, fassiez n'importe quoi. Et ensuite, moi, je choisirai la vidéo la plus originale et la plus stylée. Et je la reposterai en Insta Story et Story Snapchat. À part ça, franchement, ça me fait plaisir de revenir avec une nouvelle vidéo. Je me suis dit, je la poste aujourd'hui dimanche, comme ça c'est fait. Et vous inquiétez pas, hein, ce sera toujours rendez-vous mardi 18h. Les dédicaces à Sahbé, je sais, y en a, ils attendent que ça pour cette rentrée. Donc pour commencer, grosse dédicace à Djibril et Alia de Marseille, on est ensemble ça. À Ophélie de Bourges, Fetes Naël du 19ème, Anam Maguel, Tina de Lyon, et pour finir, Wissem de Montmorency. On est ensemble et sans. Comme c'est la rentrée, je me suis dit, je vais vous parler des gens à la rentrée, hein, logique. Personnellement, quand c'était la rentrée, j'étais au bout de ma life. T'as quoi? Je sais pas, je suis stressé. Pourquoi? C'est la rentrée là, bientôt, je joue pas moi. Oui, c'est vrai. J'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre. J'ai la diarrhée, Vas-y, arrête, c'est moi. Tu forces. Vas-y, arrive. Vas-y. Laisse-moi. Oh la tête, elle vomit. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de vomir? Oh la tête, tout ça à cause de la rentrée. Moi, j'arrive pas à la rentrée, moi. Je veux pas la rentrée, moi. Va dans les toilettes. Tu me fais mal. Comment ça, je te fais mal? Va me chercher un Doliprane, je me sens pas bien. Ouh, la diarrhée, la diarrhée. Oh non mais laisse tomber, hein, l'angoisse, je suis pas yam. Alors ça, attention, c'est super important à la rentrée. C'est mes affaires de la rentrée, c'est mes affaires de la rentrée. Oh, j'ai hâte. J-7. Voilà. Personne touche, personne s'approche. Eh, ma tenue, ce sera la meilleure de la rentrée. Ma tenue, ce sera... Tu fais quoi? T'as marché sur mon t-shirt. Oh, il a marché sur... Oh. Il a marché sur mon t-shirt. Ah ouais, non mais moi j'ai acheté mes fringues depuis juillet déjà. Grave la dalle. Alors ça m'a traumatisé. Quand je voyais les gens, ils avaient leur rentrée après la mienne. Ça veut dire que eux, ils étaient encore en vacances. Putain, il est 7h. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en bête de jeu. Pourquoi tu jettes ma tablette? Mais en plus, c'est la rentrée! C'est la rentrée pour toi, pas pour moi! Hein. Eh, moi j'ai pas 10 ans, moi je suis pas au collège, hein. Moi je suis à la fac, frère! Comment ça se fait la rentrée pour toi? C'est pas maintenant, moi la rentrée c'est dans 2 semaines! Mais ça se fait pas! Ça se fait pas! Toi, genre tu joues et moi je dois aller à la rentrée! Eh, bah c'est la vie! Hein, ouais! T'avais qu'à pas retaper 15 ça, fois! Ouais. Salut! Bonne rentrée! Ouais, merci! Profite bien! Ouais, merci! Je vais profiter en cours, hein, c'est trop bien! Non, mais faut dire la vérité, ça pique pour l'ouai! Tous les matins il se réveille, il voit moi soit je joue, soit je suis sur mon téléphone, il a le seum! Les meufs à la rentrée! Alors bonjour à tous, hein, bienvenue dans cette nouvelle année scolaire, hein, enchantée de vous rencontrer. Oui, je suis enchantée.
Alors, durant cette année, nous allons voir plusieurs choses, hein, mais pas d'inquiétude. Tout se passera bien. Juste ce que j'ai à vous dire, donc. Alors, ta classe est comment vu ou pas? Je cherchais. Vas-y, ma classe est trop claquée. Moi, j'ai trop moche, les mecs, dans ma classe. Hey, y'a un mec, tu vois, il est trop moche. Y'a que des moches dans ma classe, je fais comment? Mais moi, ils sont tous moches, je comprends pas. Je comprends pas, moi, il a des cheveux gris, je comprends pas. Il est à la retraite, il est. Vieille classe, vieille classe. Vieille classe, vraiment, prends les dans la même classe. Je sais pas pourquoi dans la même classe. Pas de chance, ça me saoule. Ça, c'est les mecs. Non, c'est la rentrée, t'es belle. Mais c'est pas grave. Faut écrire sur comme les pots. Ça va? Ben ça va pas. Putain, qu'est-ce que je fous dans cette classe? Alors gros, ta classe? Éclatée. Jure. Des vieilles meufs. Oh ouais, la même frère. Y'a pas une meuf, elle a de la moustache? Wesh, y'a une meuf, elle a plus de barbe que moi. Wesh, c'est un truc de ouf, elle est avec moi en demi-groupe. Y'en a une petite blonde là, fait que de parler, débite à mort. La petite blonde là? Ouais, la petite dé. Oh, elle a pas de trousse et tout avec son maillot de Marseille. Moi j'ai la buse. Ouais, ah, vas-y, démarre aussi. Mais par contre, le petit Matisse, il est gentil, il est mignon. Lequel petit Matisse? Le petit. Tu sous ma gueule là. Comment ça, il est mignon? Mais t'es bizarre. Attends. Oh oui, y'a toujours cette personne aussi à la rentrée complètement tarée. Bonjour à tous pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez été bien accueillis. Ouais, merci madame. Aussi, je vais bien vous accueillir. Merci, toi. Bien vu. Contrôle? Ouais, non, pas contrôle, pas contrôle. Non, madame. Non. Je rigole. Jeune homme, votre casquette s'il vous plaît, vous allez me l'enlever. Quoi? Comment ça j'enlève ma casquette? Eh, moi je vais te défoncer, hein. Eh, Beyoncé, je suis pas ton femme. Eh, vas-y, je me casse. Eh, moi je reste pas dans ce casque. Ah, madame, ils s'en foutent. Ah, ils s'en foutent complètement. Leur but c'est de se faire virer. Alors, ça, véridique, je crois que ça m'est arrivé au collège. Je vais appeler Lago, c'est pas normal, wesh. Premier jour de rentrée, elle est pas là, elle a jamais raté la rentrée, jamais. Wesh Lago, t'es où? Je crois que tu comprends pas en fait. Y'a pas de rentrée pour moi. Y'en a pas, j'ai pas de rentrée. Je suis bloquée au bled là, tu comprends pas. Quoi? L'année dernière, tu te rappelles quand ça nous a séché? Et ben là, écoute, mon frère il m'a envoyé une lettre. Attends. En Côte d'Ivoire. Comment ça t'es oublié? En plus ça, je vais me marier. Est-ce que c'est clair? Pas de rentrée pour moi là. Non mais attends, coupe. Ça a coupé, y'a pas de connexion. Ils l'ont envoyé en Afrique. C'est quoi ce délire là? Oh, je suis choquée. Il y a vraiment des gens, c'est comme ça, ça veut dire qu'ils font des conneries et tout, ils sont vraiment envoyés au bled. Nos parents ne blaguent pas. Ce genre de prof aussi à la rentrée. Alors, vous avez passé une bonne rentrée? Oui. C'était bien? Ouais. Parfait, contrôle surprise. Il a dit quoi? Contrôle surprise. Mais je vous ai rien dit, c'était contrôle surprise. C'était une blague. C'était une blague. Ah non, mais c'est vraiment le genre de prof insupportable qui va te saouler, mais toute l'année tu te dis, mais dans quelle classe je suis tombé? Contrôle surprise à la rentrée. Je suis en train de cracher tellement je suis énervé. Ma mère toujours fidèle au poste, hein, pour pas changer. Je suis KO, voilà, la rentrée c'est toujours fatigant. T'as pas de devoir, tu fais pas tes devoirs. Comment ça j'ai fait tes devoirs, maman, c'est le premier jour, y'a pas de devoir. Oui, oui, c'est la rentrée, devoir, oui, y'a des devoirs. T'as donné des livres? Quel livre? Y'a pas de livre, on a pas de livre. Si, si, t'as donné des livres, t'as des livres. Et t'as tout donné. Ok, je mens, je suis nul. Premier jour de rentrée, voilà, comment ça va devenir tes devoirs? Ah, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Ok, c'est pour toi que tu travailles, c'est pas pour moi, je répète 100 fois tous les jours. Non, continue. De toute façon, tu vas redoubler encore et encore. T'es nul, tu bourris quoi, tu vas rater encore ta vie, vas-y, continue. Premier jour, elle met la pression. Premier jour, j'ai envie de tout arrêter. Non, maman, c'est pas comme ça. Si je te dis que le premier jour, y'a pas de devoir, y'a pas de devoir. Alors, ça, j'étais obligé de le faire. Hein. Quand t'as 1 million d'abonnés à la rentrée. Maman, j'ai 1 million d'abonnés, je t'ai dit ou pas? J'ai 1 million d'abonnés. T'as 1 million d'abonnés. Hey, le jour où t'auras 1 million d'euros, tu peux parler avec moi. Là, pour l'instant, je te calcule même pas un petit peu. Non, mais de toute façon, t'es jamais contente. 1 million d'euros. Y'a 1 million d'abonnés. T'as pas 1 million d'euros? Bah, c'est bien. Hey, tu parles pas de mes abonnés comme ça. Hey, 1 million d'abonnés, c'est la famille. Va, circule, va faire tes devoirs. Va faire tes devoirs. J'ai pas de devoir. Vas-y, casse-toi. Comme vous pouvez le voir, mon entourage s'en contrefiche. Mais vous en foutez pas, merci beaucoup. Puis voilà, la muse, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Votre rentrée s'est bien passée. Dites-moi d'ailleurs comment ça s'est passé en commentaire et aussi en quelle classe vous êtes maintenant. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. En tout cas, on a atteint un cap, le million, c'est fait. Merci, c'est grâce à vous, on est ensemble amis. Ciao.